Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo Best of Forge Magie. Vous y verrez mes réactions au succès, mes plus belles tentas et certains cas de figure atypiques. Bon visionnage. Ça va être un peu technique à faire. En fait, les... Ok. J'allais dire, le plus problématique, ça peut être les dommages si ça tombe et que on est à bloquer à 9 dommages ou je sais pas quoi. En vrai, c'est pas trop mal. On va commencer à compter ici. On a... Là, on a plus 0,8 de Vitad, enfin 0,8 depuis, donc Osef. Donc là, on a 3, on a 13. On a 13 moins 6, plus 90. Ok, j'ai déjà fail, j'ai écrit 16. Moins 6, plus 90, on a 97 depuis. Alors, bon, j'ai pu gérer mes lignes à peu près comme je voulais. Je vais lui. Bon, de toute façon, oui, non. On est bien, on est bien. Pour la Vita. En vrai, je vais garder la Vita pour la fin parce que, comme il veut Over Vita. Comme il veut Over Vita, peut-être qu'on ira à la Ravie ou je sais pas quoi. On verra. On verra si il maintient. Je crois qu'il est sur le stream, hein, je lui ai dit de venir. Est-ce qu'il a choisi la rune trans qu'il veut? Parce qu'il peut faire une rune ta vie, hein, mais bon, bref, on va déjà se concentrer sur le G. Ok, oh, ça nous met trop bien. Elle était hyper dure à passer celle-là. On va lui mettre les dommages pièges. Oh, ça passe bien. Ok, c'est vraiment cool. Je suis content pour lui en vrai. Merci pour la donation, Natsuko. Merci à toi. En plus, il y avait le nom qui dépassait de la zone là. Ça me stressait, donc nickel. Dodi. Ok, il veut trans Dodi, donc ça c'est nickel, ça passera sans aucun souci. Écoutez, le brisage se passe très bien, il veut jouer au piège, donc on va lui mettre la dernière, oh, qui crit. En vrai, on va lui faire un pur G. Hein. Je vais garder. Est-ce qu'il veut l'INI? Je pense que oui. Parce que l'INI, contrairement aux autres stats, ça peut être. Il peut y avoir des cas de figure où c'est plus intéressant de ne pas la maxer. Moi, c'est très souvent que sur mes mods, j'ai besoin de, par exemple, d'Alliance Glourson, Exopea sans initiative ou ce genre de choses. Ça dépend comment. Ça dépend, c'est pour faire du 1v1, du 3v3, ce genre de truc. On va faire ça. 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 J'ai moins 9. Écoutez, c'est insane hein, en vrai. Hein. C'est insane. On va lui mettre la Paini. 58. On a vraiment eu de la chance sur les deux pièges. Hein. Ça aurait pu être dramatique si les deux pièges se passaient mal. On avait un PA sur un 14 dommages pièges, on est à 30 dommages pièges. C'est des runes qui pèsent 5 unités. Hein. C'est vraiment énorme. En vrai, 58. Hein. Je vais lui demander est-ce qu'il préfère. En fait, là, j'ai plusieurs options. Comme il voulait le Over Vita à la base, là, je pense que c'est plus intéressant de partir en Over Vita sans trans. Hein. Est-ce qu'il préfère que j'aille chercher les 50 forces ou 50 agis? Enfin, les deux, quoi. Ou alors que je laisse comme ça et que je parte en full over vita. Comme à la base, il voulait un over vita, je lui ai dit on peut pas trans, mais là, en fait, le brisage s'est hyper bien passé. Vraiment, c'est insane. On a les 10 dos, on a les 30 dommages pièges, c'est vraiment monstrueux. Potentiellement beaucoup le monter la Vita. Moi, si c'était pour moi et que je voulais de l'over Vita là-dessus, là avec 58 depuis, je balance comme jamais. Moi, ce que je ferais personnellement, j'irais chercher perf force perf agi et après full over Vita, sachant qu'il y a un petit risque que ça passe pas et que finalement on a un truc éclaté, mais globalement avec autant de puits là, un petit crit à la ravie ou un truc, enfin une ravie, une ou deux ravies qui passent, ça fait un truc monstrueux. Hein. J'attends juste qu'ils me disent. Ok, donc il me dit double perf et over vita. Donc en vrai, on va y aller. Moins 18. Yes. Moins 1. Petite rune chance. Hop. Il m'a demandé 200 mini pour l'initiative, donc on pourrait aussi faire l'over initiative, mais il veut de la vita, donc go. Écoutez, ça s'est hyper bien passé, vraiment c'est incroyable. On a 39, c'est-à-dire 3 pavis.
3 ravis. Il m'a dit que il voulait que je signe. Il faut vraiment qu'on en ait une qui passe par contre. Oh, je suis tellement triste pour lui. Mais en fait non. En fait non. Parce qu'on peut trans maintenant. Ok. Il voulait le lever Vita. J'aurais vraiment aimé pour lui qu'il y ait au moins une ravie qui passe. Ça aurait fait très très beau. Mais en fait là, on a un truc insane pour trans. Bah en fait, go trans de perdi. Dans les deux cas, en fait, on retombait sur nos pattes. Mais bah franchement, c'est pas mal du tout. Hein. C'est pas mal du tout. Un peu triste pour lui, moi j'aurais bien vu un petit plus 50-50, un petit plus 100, un petit 349 Vita quoi, sur un solo manque quasi perf. On aurait pu mettre ligne, hein, vraiment, mais là il m'a dit qu'il n'en avait pas trop besoin. Bah écoutez, let's go. Hop, et magnifique brisage PA pour cet abonné, je suis très content pour lui. Le genre de puits qu'on veut, les amis, oui. Oui, le perf Vita, oui, le perf Sagesse, oui. Je pense que j'ai 89, j'ai compté à partir de ici. J'ai peut-être un peu de rap d'avant, mais je suis pas sûr du tout. On va y aller comme ça. Comme ça, moins 12. Le tac, let's go. Moins 8. 69, je peux tenter un crit à la pas faux. Je peux encore tenter un crit à la pas faux. Non. Donc j'ai 11 tentats. Encore. Full perf. C'est parti. Ça part très bien. Oui. Est-ce qu'on va avoir la chance de voir un 4% qui sort ? Et non. Est-ce qu'on a le PM ? Est-ce qu'on a le PO ? On n'a pas le PO. 84 depuis, petit doute sur le reste d'avant. On verra si on en a besoin plus tard. Allez, on va accepter ça. Hop. Moins 12. 63. Une tente à sagesse. 10 repères. On a le PM. Oui, est-ce qu'on a le PO? Non. Par contre, je suis un bouffon parce que j'arrête le record alors qu'en fait, il peut se passer des trucs là. J'avais donc 0 de puits théoriquement. J'ai eu 18. Plus 4. Plus 24. Plus 90. Moins 51. Moins 9. Donc en fait, c'est absolument pas fini. Merci pour ton abonnement, Rem Chou à la crème. Ah oui, pas mal, pas mal. Le petit déjeu petit, évidemment. Bon, tac. Moins 12. Moins 8. 56. Neuf tentats. Oui, Grifox, il faut remettre le PM avant de mettre le 4%, parce que le 4% il passe que en crit et ça change rien, machin. 4%, ça peut passer en succès neutre, les amis. Alors, est-ce qu'on a le PM ? En vrai, je serais refait d'avoir un PO, c'est pour PVP. Ça me ferait trop plaisir. Tant pis. 86 depuis. On a le full perf assuré. Bon, on n'a plus de puits, mais on a le full perf, donc bah nickel. Unlucky. Hein.
J'ai 8 en tas. On est passé à pas grand chose d'une tenta monstrueuse, mais on s'est fait bolos. C'est pas dégueu, c'est pas dégueu. On avait plus 2.5, moins 48, plus 18, plus 90, moins 51, 57. Bah voilà, on gagne nos tentas petit à petit, si vous voulez. Faudrait un crit pas faux. Crit pas faux, ça met bien là. 9 tentas. Est-ce qu'on a le PM? Pas de PM. Pas de PO. Ça nous fait quand même pas mal de tentats full pair 3% qui s'enchaînent, hein. Ça finira par passer. Hein. Allez, on continue. 88 depuis. Toujours le même problème, on n'arrête pas de se taper des congruences à 7 de mort là. Bon. C'est juste hyper chiant en fait. Je vais go 22. C'est vraiment le pire scénario. Je vais go, ouais, je peux faire ça. Et ravi. Bon, déjà là, je perds pas 60 depuis. Hein, on va dire, il y a déjà du progrès. GG à tous. Et il nous faut du moins 6, quoi. Bah, enfin. Vous voyez que c'était pas tellement de la merde ce que je voulais faire. Hop. Moi, je l'ai mérité celui-là, je peux vous le dire. Moins 3, c'est insane, hein. Parfait, 12 tentas incroyablement bien géré. GG aux joueurs français. Allez, 12 tentas, ça peut faire des dingueries de ouf. 3, yes. Est-ce qu'on a le PM? Oui. Est-ce qu'on a le PO? Non. Magnifique tenta, 88 depuis. Allez, il me faut un moins 5. Nice. Ok. Plus 0, 1. J'ai moins 18, plus 2,5. Quoi? Il n'y a déjà plus rien à remonter? Mais on pourrait presque croire que c'était une bonne idée en fait de faire du double puits. Pourtant, je me fais insulter dans le chat, c'est quand même bizarre ça. Bon, si vous voulez. Là, c'est du très très fat. On a 12 tentas sur G full perf. Et ça commence bien. Et oui, ça continue bien. 3%. 3% full perf. Est-ce qu'on a le PM, les amis? On a le PM. Est-ce qu'on a le PO, les amis? Ce serait beau d'avoir le PO là-dessus. Plus 108. Moins 51. Ça aussi, c'est un avantage de double puits. Hein. Bon, bah écoutez, je peux tenter un crit. En vrai, on va mettre une prosp. Pour changer un peu. Petit crit, please. Non. J'ai donc 9 tentas. Oh! Ça me va, ça me va. Est-ce qu'on a le PM sur cette deuxième tentacle consécutive full perf? Vous voyez les avantages de ma technique PMPO, hein. Les rageux rageront. Moi, je vois les tentacles qu'on enchaîne depuis tout à l'heure. Hein. Après, voilà. Allez, on continue. 70 depuis. Bon, je suis un peu triste parce que j'ai mis la ravie un peu vite et j'aurais fallu faire pavie, ravie, pod. Maintenant, je suis un peu baisé. On va dire que c'est la faute du chat, évidemment. Hein. Par contre, là, j'ai pile poil 66, ça me fait 11 tentas, donc en vrai, c'est cool. C'est assez cool. Vite fait, bien fait, hein, rapide, efficace. C'est vraiment l'avantage de double puits, c'est que je me maintiens à un jet qui est tellement haut qu'en fait, les tentas, ça s'enchaîne tout seul. Par contre, les 3%, non. LPM. Je vais tenter maintenant le Reperdi.
Alors, ce que je peux faire maintenant, c'est remettre des repères haut et espérer que ça fasse tomber le PM. Bon, ça se tentait. Si j'avais fait tomber le PM, la rep... Le mind game, les amis. Toujours faire les choses bien et toujours anticiper sur les prochaines runes. Quand on est dans un cas comme ça où on a le G quasi perf et on n'a pas notre Exorez, il faut anticiper sur la suite quelle est la rune la plus intéressante et dans le meilleur cas de figure pour que j'ai une tenta de fou. C'est tout le temps, il faut. Quand je vois des fois des gens qui disent oh, je mets un PO pour casser le G ou je sais pas quoi. Ça m'énerve parce que c'est débile. Il faut tout le temps se dire je suis à un GO et je peux déclencher une singularité qui va me permettre d'avoir une grosse tenta. Et ça, c'est ce qui vient de se passer. Et ça, c'est parce que j'ai eu la présence d'esprit de me dire je vais mettre une repère O et je vais pas spam des res distance comme un débile. Voilà. Donc là, on est à 84 a priori. J'ai eu. Normalement, j'avais plus de puits. Mais apparemment, j'avais 3 en rab, c'est bizarre. Ouais, j'avais peut-être du rap d'avant, effectivement, peut-être, possible. Donc là, en tout cas, j'ai 84. Et là, bah, c'est quand même plutôt cool. Moins 9, 75. J'ai 3 en rab. Je peux donc mettre ma petite pavie pour tenter la pod. Et j'ai 12 tentats. Et là, c'est vraiment fat. 2, 3. 3%. On a le PM. Oh. Non. 86 de puits. Bon, la Vita, ça fait bader. Je pense qu'on va la laisser comme ça. C'est un peu triste, mais bon, c'est la vie. Parce que là, je vous avouerai que over à la pavie pour pod, c'est un peu chiant. Surtout qu'on n'aura même pas le full perf. Donc, techniquement, je pourrais over à la ravie et vraiment bidouiller mes moins 6 et tout, mais pff, flemme. On a 65. Est-ce que j'ai un de puits en rab? Là j'ai moins 3, ah, j'ai full moins reliquat, en vrai c'est chaud. Je vais tenter le petit rune chat. Petit crit please. Petit crit please. Ah, pas de chance. Du coup je peux tenter ma. Là j'ai moins 4. Je peux tenter ma pavie en vrai. 10 tentats. Deuxième fois. Oui, Grifox, le 4e%, ça sert à rien de le faire avant de repasser le PM, parce que tu sais, ça peut passer que en succès crit. Mes 6 derniers 4% que j'ai eu en tenta, c'était 6 succès neutres. Voilà, je pose l'info, vous en faites ce que vous voulez, mais les gens Theorycraft de l'AFM qui me disent que ça passait que en succès crit, regardez mes streams, évidemment. Est-ce qu'on a le PM, les amis? Oh, le rect. Le rect, pas de chance. On continue. Le plaisir, les amis, du double puits. Regardez-moi, le PM tombe, il n'y a rien à remonter. Bon, on n'a pas le perf sagesse, unlucky. On a 89, et c'est possible que j'ai un de rab, mais vraiment, là, je sais plus du tout ce que c'est, et bon, compliqué, je n'y crois pas trop, mais c'est possible. On va quand même tenter d'y aller gentiment avec un petit crit rune chat. Vivement hein, qu'on ait les runes affichées, ça fera du bien. Oh oui! Mais oui, mais bien sûr! 15 tentats! 15 tentats repair, qu'est-ce qu'ils vont faire en fait? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Bien sûr, 15 tentats! Oui, Grifox, ça sert à rien, double puits, tu devrais remettre ton PO. Allez, 15 tentats sur GPR, vous allez me faire quoi en fait? Allez, let's go en fait, bien sûr, et ça commence, 2%, on y va! Allez, je peux aller me mater un film, je reviens, c'est encore en train de défiler. Et bien sûr! Et voilà, le plaisir de mettre 15 tentats dans le slow des runes, évidemment! Évidemment, le mec qui me dit je veux sub dans le chat, fais-le. Hein. Très très bonne idée. Est-ce qu'on a le PM? Bon, non mais tranquille, on a eu le plaisir de mettre 15 runes. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Allez, on continue. C'est un peu chelou par contre, la Vita, ça me fait 10 de vie. C'est assez étonnant. C'est ok, mais c'est étonnant. Bon, bah du coup, j'ai 88 depuis, a priori. Peut-être un peu de rap d'avant, mais tranquille. Petit crit qui met bien. Allez. Ce qu'on peut espérer. Double moins 6 par exemple. Ah. Coup dur pour Grifox. J'ai fait le con, j'aurais dû mettre une réfixe une fois que j'avais eu mon moins 5. Ça aurait limité la casse. Là, j'ai fait le bolos. Je ne mérite pas. Je ne mérite pas. 88 plus 1. Évidemment 89. En vrai.
Bon, j'ai plus de runes, ça va être la fin de la soirée. Je crois que j'ai envie de tenter les 15. En mode, on a un peu le goût du risque, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que là, j'ai 89 avec ce que j'ai. C'est possible que j'ai un peu de puits d'avant, j'ai pas spécialement compté. On est joueur, on aime le risque, on aime le goût de l'adrénaline, évidemment. On va se mettre 15 repères pour finir la soirée, parce qu'il faut que j'aille manger là. Parce que je vais littéralement faire un malaise sinon, d'hypoglycémie devant mon item, ce qui serait un peu triste. Est-ce qu'on a les 15 tentas? Attention, attention. Eh oui, le karma, le karma. Toujours avoir confiance, les amis, toujours. Toujours confiance dans le PM qui passe en crit à chaque fois. La chance. La chance. 46 de puits. Je suis un peu embêté là. Je fais pas pod en vrai, ça fait chier mais. On va devoir se satisfaire de ça. Donc j'avais plus 0,1, moins 2,5. Merci à Panda Moulant pour le Prime, merci à toi. Là j'ai plus de puits. Hein. Hop. Ah, je pense qu'il va vraiment falloir, il va vraiment falloir briser un PA, je pense. Petite rune fixe. Hop. Il me reste 3. Bon bah avec ça. Ah bah si je peux faire une dogo, tiens. Hop. Vous allez voir que ma technique est opti, les amis. Je persiste et je signe que c'est opti. Il faut faire ça quand vous avez un item où les lignes sont dures à monter sur un puits PO ou un puits invoke ou un truc comme ça. C'est le meilleur call. Écoutez, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin d'over ni la vita ni la chance. Donc c'est très cool. J'étais à 0,6 de puits. Bon, on peut considérer 0 parce qu'on n'aura plus de vita qui bouge normalement. Faudra quoi que. Non, je peux arrêter. En vrai, je recommencerai à compter à partir de la chute du PA. Ça va régaler. Donc, let's go. Oh putain, la chance qui bouge, ça fait chier. On va y aller comme ça. On va y aller tranquillement en essayant de ne pas tomber en sujet. J'aurais aimé presque balancer une grosse rasa pour essayer de faire tomber le PA, mais il m'aurait fallu la chance et la vita en bonne congruence. Ah, c'est pas ouf, hein. Bon là, je pense que je peux considérer que j'ai plus rien. J'ai 1. Vivement la 2,58, hein, qu'on puisse voir les runes qui font tomber, qu'on puisse remonter un peu plus précisément dans le calcul depuis. Plus 90. J'ai probablement un peu de puits d'avant, on verra après si on a besoin de les recompter ou pas. Là j'ai 91, je vais déjà commencer par ce qui est en sujet, c'est-à-dire ça. Ça. Ah, j'ai eu un crit en plus, ouais, moi bon, j'ai moins 16. Je vais faire l'over chance, moins 10. Je récupère l'over de 6 sur la repair. Ça, voilà, parfait. Bon là ce qui fait vraiment chier c'est la vita. Je vais la garder pour la fin, à titre exceptionnel. Je vais mettre les deux hauts maintenant. Il me faut la pado. Let's go. Moins 20. Je vais mettre les crits. Les amis, je crois qu'on ne pourra même pas aller au bout. Ça fait un peu de la peine, moins 7. Il reste 8. C'est là qu'on voit que c'est pas un item facile à faire hein, quand même. Cela dit, le PA, le PO était tombé assez vite après un passage d'orbe, donc le G était pas trop maxé. J'aurais pu faire plus que ça. Les amis, je vais racheter mon honneur devant mes abonnés. Récemment, j'ai eu un petit brisage PA sur Cap Valévenard, et à la fin, j'ai pas trouvé la force de cliquer sur la rasa pour finir le G.
Aujourd'hui, on va racheter notre dignité, on va redorer un peu le blason pour pouvoir se regarder dans un miroir, évidemment. Donc, on va cliquer sur la RASA et on va cliquer sur le PO. Et si tout va bien, on pourra trans là-dessus. On aura moins 8 vita, mais c'est quand même clean sur le reste. C'est pas un item facile à faire. Donc, forcément, voilà. Est-ce que on a la chance d'avoir ce crit RASA, les amis? On n'a pas cette chance. Bon, on continue du coup, hein, même technique. 44 de puits. Moins 20. Petit crit qui fait plaisir, évidemment. Moins 6. Mais en vrai, là, après, ça peut se jouer à un crit Pado, un crit Pado, un crit Rasa. Il peut se passer des dingueries, hein. Je vais commencer par le Rasa quand même, parce que la limite, la Rasa, elle peut pas trop bloquer. Alors que si je me retrouve avec un PA sur du 20 d'eau et que ça tombe à 19 avant que le PA tombe, enfin, ça peut être la sauce. Donc, Rasa first. Bon, les amis, si vous voulez. C'est pas de chance, j'aurais bien aimé que ça me fasse ça sur le brisage PA plutôt, hein. Bon. Il a pas d'eau? Oh, j'avais du puits en rab, bah je suis refait. C'est insane. C'est insane. Il y a quelqu'un qui me dit qu'on n'a pas la bonne scène, on est d'accord que vous voyez ce qui est en train de se passer là. Si vous voyez pas, c'est très grave. Parce que là, là c'est magnifique. Mais oui, vous me faites flipper. Je sais pas si vous vous rendez compte du jet que j'ai là, mais c'est absolument incroyable. Hein. C'est une réelle dinguerie. Hein. Si j'ai le PO, ça part en transe et ça part en colis en fait. Hein. Bon, la vitale me chiffonne un peu, mais en vrai, l'item est hardcore. Hein. Et dommage, 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 dommage! Allez, on se démoralise pas, on y va. Alors, histoire vraie, on est juste après la dernière tentative PA. J'ai mis un orbe, ça m'a fait. Enfin, j'ai mis orbe et directement je tombe le PO juste après. J'ai fait exprès, hein, parce que j'ai eu un orbe avec un jet de fou. Je me suis dit, bah, je vais pas retraiter PA pour essayer de casser le PO, ça a marché. Donc, on a une dinguerie. On a littéralement une dinguerie. Alors là, par contre, je suis obligé d'over. Mais par contre, si je fais ça, je peux avoir le père vite, hein, avec une repair derrière. Il faut vraiment qu'elle passe être à vie. Oh oui. Technique au petit FM, mettez des orbes et croisez les doigts, vraiment. C'est si beau! C'est si beau, les amis! Mais c'est incroyable, hein. C'est magnifique ce qu'on fait, vraiment. Il y a zéro blague, hein. C'est une dinguerie, hein. Non mais en fait, pourquoi faire des brisages PA quand on peut juste mettre des orbes, en fait? C'est tellement plus simple. On a 17, on a 2 tentas. On a 2 tentas sagesse si j'ai un crit à la fois. Non, bon, on a juste une tenta passa du coup. Donc là, j'ai fait moins 3. Moins 7. J'ai 7 de puits, donc j'ai 2 tentas sagesse. C'est juste la plus belle tenta de ma vie, c'est absolument incroyable. Toujours tryhard, hein. Non mais il y a 90% des forges mages, ils auraient mis le PO en fait, ils auraient pas compté. Les amis. Et ça, c'est le 1 de sagesse qui va me faire un jour gagner un colis quand ça va se jouer à un esquive d'un truc. Mais c'est évident en fait. Il n'y a aucune chance dans la vie, c'est que du tryhard, que du mental. Bon. Je vais avoir besoin d'un succès critique, les amis, pour être très honnête avec vous. Est-ce qu'on a vraiment besoin des critiques sur un Xelor? En vrai, est-ce qu'on a vraiment besoin du critique? En vrai, je vais faire le max 0 respect, je vais mettre une repair à 10, s'il y a le crit, c'est limite, je jouerai avec en fait. Bon, ça se tentait. Bah écoutez, on continue. En vrai, non, là, limite, je peux essayer de casser le PO à nouveau. Ouais, bon, on va pas abuser, allez, PA. Ah, oh, c'était tellement magnifique! Ça aurait été. Franchement, c'est une des plus belles tentas que j'ai faites là pour moi. C'est encore plus beau que le PA qui passe et tout. Hein. Allez, on continue. Si vous voulez, il va falloir passer des padots en masse. Hop! Alors maintenant, faut compter par contre. Donc, j'avais. Est-ce que j'avais compté depuis le début? J'avais 41. Là, j'ai Orbe. Elle est insane, attends, en vrai. Ça n'a aucun sens, mais.
Orb 41, moins 10. Moins 4 ici. Moins 15. Il y en a qui me croyaient pas quand sur un brisage PA pour un gars, je sais plus quoi, j'avais dit en fait si on n'a pas les 20 de haut, si on est à 18 de haut, là moi je mets juste dommage haut et fusionner tout. Il y en a plein qui m'ont insulté en mode ouais tu fais ça parce que c'est les items des autres, tu trolls et tout, mais en fait c'est 100% ce qu'il faut faire. Hein. Sinon de toute façon on n'a pas les 20 de haut, on est baisé donc. Écoutez, j'ai une tenta pas ça. Et là ça a régalé la petite crit. Oh mais oui! Mais oui! Et j'ai une tenta sagesse encore. C'est juste trop beau. J'ai pas les mots, c'est de l'art en fait. Alors ça c'est un peu moins de l'art. Mais en vrai, ça régale de ouf. Hein. Bah, du coup je mets pas de PA là-dessus. On continue. C'était très très beau. On a des très belles tentas qui s'enchaînent. Ça me fait super plaisir. Je trouve que c'est un très beau FM. Je passe un bon moment, j'espère que vous aussi. Alors, on commence par une très belle tenta PO into PA sur Alliance Glourson. Pas de chance. Oui, c'est Grifox qui régale, évidemment. Hein. Astuce Kama, faites faire vos exos par Grifox et ça régale. En vrai, il est cool, ça c'est un G revente full bénef. Donc, bah, GG à toi. GG à toi, petit pilotaire. Ah, tu l'as pas signé, tiens. Je me suis dit, je mets pas de rune signature, comme ça je te laisse le mérite de la signature de l'item, mais non. Ce sera un exo PA anonyme, full random, mais full bénef. Ça, c'est vraiment le jeu nickel pour la revente. Bien vu. Écoute, c'est déjà rentabilisé hein, sur la petite section qu'on avait. Ensuite, pas de greffe. Pas de greffe, je pense que ça se vend encore bien. C'est encore plutôt joué. Le jet est très clean. Ah, j'ai pas bien cliqué, je suis désolé. On a. Ça, vous voyez, c'est le syndrome. Comme j'ai fait récemment des vidéos Amulette Cthulhu, il y en a plein qui se sont mis à en faire pour me troller en fait. Il m'a dit que je devais faire quoi là-dessus? Fais ce que tu veux pour la mue. En vrai, on va mettre dos perdi, dommage distance. En vrai, un crit là-dessus, ce serait encore mieux qu'un crit de PO ou je sais pas quoi. Et non. Les amis, pour ceux qui se rappellent de cette Dorabis, c'est une coiffe que j'avais faite en brisage PA en vidéo il y a quelques jours. Magnifique G, j'avais vraiment un tryhard de ouf. On avait eu tout pile le poids, je me rappelle, enfin tout pile depuis, à un près pour passer la dernière rune qui était la rune tacle. Et on a vraiment les 30 répous, on a vraiment un truc hyper clean, moins 4 vita, moins 2 sagesse sur un item sans puits qui est assez dur à faire. C'est une tenta PA qui est proposée sur le stream français. Écoutez, faut cliquer, faut cliquer. C'est en tentant des choses que des fois il y a des items de fou qui sortent. On va juste cliquer sur le PA et on va espérer qu'il se passe une dinguerie. Let's go. Pas de PA. Je salue l'ambition de l'attentat. Il faut des fois faire des trucs comme ça, c'est comme ça qu'il y a des beaux items qui circulent après. Tant pis, peut-être une autre fois. Bon. Si vous voulez. Bon, il est tard. Sur ce stream, il se passe des choses un petit peu borderline, comme on dit. On est sur de la magie noire là. Hein. C'est de la forge de magie. Un peu ténébreuse. Faut pas mettre ça dans les mains de n'importe qui. On va mettre une petite invoque là-dessus, une petite invoque. C'est quoi une invoque? Qui aurait pu s'en douter? Vraiment, vraiment une lucky. Bon, allez, on va mettre une deuxième. J'imagine qu'on va mettre une troisième maintenant. Bon, jamais 203 comme on dit les amis. Là par contre ça risque de faire des trucs bizarres. Ça risque de faire des trucs bizarres. Mais on a gagné du puits, évidemment. Avec ça on peut faire, je sais pas, peut-être tenter un veau par exemple. Bon, ça, je ne sais pas, ça n'a pas marché. On a dû se louper quelque part. Hein. Vraiment là il y avait full bonne volonté. Pas de chance, pas de chance, j'ai pas d'autres mots, c'est vraiment pas de chance, je sais pas quoi dire d'autre, hein. C'est vraiment, c'était au petit sinon, full item PVP 200, c'était une dinguerie, tant pis. Il va falloir commencer par la Vita, évidemment, ok ça crit, ça c'est insane, je récupère directement ça ici.
L'arracha. Ouais, en vrai, c'est ouf, hein. Parce que là, en plus, j'ai balancé une grosse Rasa juste avant. Donc, j'ai même pas de problème de crit Rasa à la fin. Ouais, je vais faire crit. Qui crit en plus. Insane. Ouais. Ça, c'est évident. Ça, c'est dès qu'on a plus besoin de l'item, tout se passe bien. Je connais en fait. C'est l'histoire de ma vie. Hein. La Pado, évidemment, qui passe. Non, mais voilà, très bien. J'ai 14 depuis. Écoutez. Code tentative sagesse. C'est vraiment une dinguerie. Bon, on n'aura pas le 49. Est-ce qu'on peut avoir le PO? En vrai, c'est un jet de ouf. Hein, vraiment. Limite, s'il passe, en vrai, je le garde. Parce que là, c'est quand même assez hyper propre. Pas de chance, pas de chance. 41 depuis. Franchement, c'est pas dégueu comme tenta. Faut que la rachat, elle se fasse pas trop chier. Bon, ça passe. En vrai. Hey! Faut toujours tenter, les amis. Eh oui. Faut toujours tenter. J'y croyais jusqu'au bout. J'y croyais jusqu'au bout. Est-ce qu'on mettrait pas de la rune vie maintenant pour pousser la démarche jusqu'au bout, si vous voulez? Le problème, c'est que ça peut me taper dans mon puits, mais. Bah non, mais c'est clean, on aurait pu choper. Imaginez, on fait un full perf avec un crit sagesse et un crit rune vie. Ça serait vraiment une dinguerie par contre. Mais on me dit la rareté du truc, mais en vrai, comme je le tente tout le temps, ça m'arrive régulièrement. Hein. C'est souvent que sur une session, j'ai un petit crit comme ça qui passe et je m'arrondis une ligne gratos comme ça. Franchement, ça arrive. Hein. Rune vie, jamais elle passe, mais c'est pareil, elle peut passer en crit la rune vie. Comme la rune sagesse. Hein. C'est à peu près kiff kiff. Hein. Donc là j'ai moins 20. Ah, oh, je suis refait. En fait. Juste, même si évidemment j'aurais pas le PO, ça me fait quand même plaisir. Bon, j'ai une tenta Pado. Petit crit. Le PO. Il me reste 21 de puits encore. Hein. Ah, ça fait plaisir. Bon. C'est un peu technique là. C'est un peu technique, les amis. Parce que techniquement, bon, je me suis récemment sur une cape du Valet Vénard, je me suis humilié. J'ai perdu tout mon honneur devant mes abonnés, mes viewers, parce que j'ai pas cliqué sur la Rasa. Mais c'était pour un GPVP dont j'avais vraiment besoin. Le truc, c'est que là. J'ai pas vraiment besoin de l'item. Donc est-ce que c'est vraiment scandaleux si je mets pas la Rasa et que je le mets en HDV? Parce que d'un autre côté, j'ai plein d'autres items à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est quand même déjà beaucoup plus propre que ce qu'il y a en HDV. Écoutez, on peut faire une rune sagesse déjà. En vrai, non, on va même faire trois runes vie. Hop, et deux passa, en espérant que je ne sois pas chier. Bon, si vous voulez, hein, le bon. Bah du coup, ça règle la question de la rassage. J'étais vraiment en train d'hésiter de ouf. Voilà. Bon, écoutez, ça fait quand même. Je vais vérifier que c'est pas là, c'est bien la bonne. Reste distance, oui, c'est ça. Franchement, c'est clean. Hein. C'est quand même clean. Dommage distance avec le full perf, évidemment. Et ça fait tout à fait plaisir. Voilà, c'était juste pour vous partager ça. Je sais que vous aimez bien voir des gros jets et puis des achats, des kamas qui sont dépensés. Donc, je vous régale. Repassage d'un PA pour l'amulette d'un abonné. Mais bon, évidemment, il fait ça pour me troll parce que j'ai juste passé 3 semaines sur l'item. Évidemment, la technique, ça c'est la spéciale Grifox, la rune de signature quand on n'a rien fait. Hein. Ça, je maîtrise très très bien. C'est opti parce qu'en fait, ça fait tellement rager les gens dans les commentaires YouTube que ça me fait monter mes vidéos dans le référencement et ça me fait plein de thunes. Donc, ça, GG à tous. Est-ce que ça passe? Évidemment, quand c'est pas mon amulette, ça passe. Parce que, en fait, comment vous dire?
Comment vous dire que j'ai passé 3 semaines à faire ça sur cet item. J'ai eu genre, franchement, je crois pas loin d'une dizaine de tentats per 3%. Et c'est bizarre, c'est quand c'est pas mon amulette que ça passe. C'est vraiment unlucky. C'est vraiment unlucky, c'est vraiment unlucky. Et pour ceux qui ont suivi l'anecdote, suite à mon insomnie, j'ai découvert que je n'avais pas besoin de cette amulette en plus en 3% réserve. Bon, je vais peut-être la prendre quand même. Si on me la vend à un prix correct, ou peut-être si on me l'offre, tout est possible. Écoutez, écoutez, ce sont des choses qui arrivent. Bah, écoutez, GG à tous, hein, je sais pas quoi dire de plus. Voilà, ça régale, ça passe tout le temps sur les amulettes des autres, mais pas sur la mienne. Or, je pense que j'ai pas assez tryhard l'item, si vous voulez. Je dois avoir mis quoi, 40 millions de runes dessus, 3 semaines de FM. J'ai pas assez tryhard, je la méritais pas. Je la méritais pas, voilà. Je la méritais pas. Je mérite juste d'avoir ma signature sur une amulette que je n'ai pas faite. Voilà. Je suis le pire joueur, en fait. Mais dites-le, dites-le. Allez, hein, on s'attarde pas, on se fait du mal, là. On va essayer de regarder autre chose très très vite. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.